Bordeleko Unibertsitatean komunikazio eta informazioaren zientzitako irakaslea da. Telebistaren ingurugiroa eta kulturaren konbergentzia aztertzen ditu. Transmedia storytellinga izango da bere hitzaldiaren gaia. Zuekin, Melanie Burda. Alors d'abord, je voudrais bien évidemment remercier Élie de m'avoir invité à participer à ces journées et toutes les institutions qui ont aussi participé à mettre en place ces conférences autour donc, du transmédia et du multimédia. Donc, moi, je suis maître de conférence à l'Université Bordeaux 3 et je travaille en particulier sur les études de FAN et sur les stratégies transmédia autour de l'audiovisuel et en particulier autour des séries télé et des blockbusters américains, donc des gros films américains. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est principalement des mécanismes transmédia, donc comment ça fonctionne autour de ces séries télé et autour de ce cinéma, mais ça peut être bien évidemment réadapté ensuite pour la culture, pour la mise en place d'apprentissage de la langue ou ce que vous voulez, c'est juste des mécanismes en fait. Donc j'ai intitulé ma conférence « Transmedia Storytelling et Audiovisuel entre narration augmentée et marketing ». Alors comment je vais dérouler ma présentation? Je vais d'abord vous expliquer que le Transmedia Storytelling est un terme relativement nouveau. Donc on va faire une petite généalogie du terme. Hein. Mais on va voir que c'est des pratiques beaucoup plus anciennes qui n'y paraissent. Donc ça existe depuis bien plus longtemps que le terme « Transmedia Storytelling ». On va voir ensuite qu'il y a eu des logiques de mutation qui ont permis l'émergence et la popularisation, la démocratisation, si vous voulez, du terme transmédia et des pratiques, hein, transmédia storytelling. Et après, je vais vous expliquer deux stratégies qui s'appliquent principalement pour l'audiovisuel, c'est-à-dire une stratégie de narration augmentée, je vous expliquerai après, hein, et des stratégies plutôt marketing. Donc ça, c'est pour moi, c'est parce que je suis fan de Battlestar Galactica, donc c'est pour me donner du courage pour la conférence. Alors, le transmédia storytelling, la généalogie du terme. Donc, on s'aperçoit que le terme transmédia storytelling est relativement nouveau, ainsi que le terme transmédia d'ailleurs, hein, puisqu'il est apparu pour la première fois dans un livre de Marsha Kinder. Donc, elle parlait, elle, de superstructure transmédia et d'infrastructure transmédia. Donc, elle avait écrit un livre parce qu'elle avait constaté que son fils Victor, qui avait 4 ans, regarder des programmes donc, à destination des enfants, mais elle avait constaté que ces programmes, ils développaient aussi les personnages, enfin, ils présentaient aussi les personnages sur des comic books, par exemple, ou en petites figurines. Donc pour elle, elle appelait ça déjà du transmédia, parce qu'il y avait les producteurs déportaient en fait les personnages sur d'autres plateformes médiatiques. Donc c'était autour des franchises Hasbro, particulièrement Transformers, et de Nintendo avec les Tortues Ninja. Mais c'est surtout en 2003 en fait, que va être popularisé le terme transmédia storytelling par Henry Jenkins. Et c'est lui d'ailleurs qui donne la définition la plus utilisée maintenant, hein, bien sûr. Donc il avait constaté qu'autour de la franchise, la trilogie même des films Matrix, il y avait tout un univers qui avait été créé. Donc il n'y avait pas seulement les films Matrix, mais il y avait aussi une augmentation de l'univers de Matrix sur plusieurs plateformes médiatiques. Donc les frères Wachowski avaient créé des comic books, des jeux vidéo, un MMORPG, donc c'est des jeux à multiples joueurs en ligne, type World of Warcraft, par exemple, et des séries animées. Et tout ça, tout cet ensemble de plateformes, ça constituait le monde de Matrix, ça constituait l'univers Matrix. Donc les fans, puisque c'est plutôt à destination des fans, hein, ce genre de autour de l'audiovisuel, ce genre de pratique, pouvaient s'immerger dans le monde de Matrix. Alors ce qui était intéressant, c'est que si on n'avait pas envie d'aller voir sur les autres plateformes, on pouvait aussi regarder la trilogie et, pour Matrix, tenter de comprendre ce qui se passait.
C'est pas sûr qu'avec d'ailleurs toutes les plateformes, on comprenait non plus ce qui se passait. Hein. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que les frères Wachowski avaient pensé Matrix dès le départ comme un projet transmédia. Donc dès le départ, ils avaient créé toute cette plateforme et tout ce monde, cette narration éclatée en fait. Donc à partir de là, Henry Jenkins a donné une définition du transmédia. Je vous la donnerai en suivant. Il a renforcé ça dans son bouquin qui s'appelle Convergence Culture et qui est sorti en 2006 et qui se concentrait donc sur les pratiques, le lien entre audiovisuel et Internet et ce qu'il appelle la culture de la convergence, donc culture de la convergence technologique et culture de la convergence culturelle aussi, c'est-à-dire comment les récepteurs se réapproprient toutes ces techniques. Et donc j'ai mis traduction française, nous en France on est un peu en retard avec tout ça, la traduction française de ce bouquin qui est quand même fondateur hein, pour si on parle de transmédia et si on parle des liens entre nouveaux médias et anciens médias, n'est sortie que cette année, donc on est très en retard. Alors je ne sais pas en Espagne si ça a été traduit ou si, peut-être que vous êtes plus en avance que nous. À partir de là, des thèses ont commencé à fleurir autour du transmedia storytelling et notamment les thèses fondatrices de Christy Dena et Geoffrey Long qui reprennent donc les théories de Jenkins et qui les appliquent à des projets concrets. Donc ils montrent comment le transmedia storytelling s'applique réellement puisque Jenkins est quand même une définition plutôt théorique au départ. Et, mais ça c'est de l'autopromotion, c'est pas bien, mais bon. En France, donc, est sorti le premier numéro de revue scientifique autour du transmedia storytelling que j'ai coordonné et dans lequel Henry Jenkins justement reprend sa définition et ses sept principes qui déclinent. Donc c'est assez intéressant parce que c'est, en plus pour nous français, c'est une traduction. Donc du coup, c'est quoi le transmedia storytelling selon Henry Jenkins? C'est il a qualifié ça de processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Donc bien évidemment, il parle de fiction et de divertissement puisqu'il faut se rappeler que c'était à partir de Matrix. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a l'utilisation de plusieurs plateformes médiatiques qu'elles soient numériques ou non numériques. Hein. Si on reprend l'exemple de Matrix, il n'y avait pas de plateforme sur Internet, par exemple. Donc des plateformes médias numériques ou non numériques, dans le but de créer donc un monde. Il faut vraiment créer une narration cohérente. Il faut que ça soit un monde. Ça, c'est le plus important en fait, dans la définition de Jenkins. Et il faut que ces plateformes elles ajoutent de la narration par rapport au départ. Donc là, pour Matrix, c'était les films. Mais par contre, on se rend compte donc que, si on prend cette définition de Jenkins, finalement, il y a des pratiques qui sont plus anciennes que la définition. Donc là, c'est des exemples. Excusez-moi, mais je ne suis pas très forte en PowerPoint. Ils ne sont pas très jolis. Donc, il y a des pratiques qui remontent à plus longtemps. Alors, bien évidemment, dans le cinéma, l'exemple le plus marquant, c'est bien évidemment Star Wars. Donc Star Wars, donc c'est une trilogie, bon, on a une prélogie maintenant, les faux Star Wars pour moi. Donc la trilogie est apparue à la fin des années 70, et là on voit qu'on est déjà dans un univers transmédiatique, puisque certes on a cette trilogie, mais cette trilogie elle est augmentée narrativement par des ajouts narratifs sur plusieurs plateformes médiatiques. Alors il y a à peu près 150 jeux vidéo autour de Star Wars, 200 ajouts print, donc c'est-à-dire des romans ou des BD. Donc quand je dis BD, c'est des séries de BD après, hein, donc ça fait encore plus. Des séries animées, puisque par exemple The Clone Wars fait le lien temporel, parce qu'il y a un vide temporel, entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc si on veut savoir ce qui se passe, il faut aller voir la série animée The Clone Wars. Donc là, on est vraiment dans un univers transmédiatique avant l'heure, c'est-à-dire avant la définition. Ce qui est intéressant, c'est comment ça s'est créé, cet univers médiatique. George Lucas, en fait, avait laissé tomber ses droits scénaristiques et ses droits de réalisateur pour Star Wars, et il avait négocié des droits sur toutes les ventes de produits dérivés autour de Star Wars. Donc derrière, il y a quand même un enjeu économique et marketing évident déjà pour la mise en place de ces structures transmédia. Pour les séries télé, c'est pareil. Hein. Maintenant, toutes les séries télé ont leur extension transmédiatique, mais ce n'est pas si nouveau que ça non plus,
puisque déjà Twin Peaks, donc, qui était la série de David Lynch et Mark Frost, qui a été diffusée entre 90 et 91 sur ABC, avait des stratégies transmédia, et notamment le Secret Diary of Laura Palmer, le journal intime de Laura Palmer. Donc là, c'était un journal intime qu'on pouvait acheter, hein, enfin un livre, et qui nous expliquait donc qui était Laura Palmer, puisque dans la série, dès le premier épisode, on apprend qu'elle a été assassinée, hein, c'est le but de savoir qui a tué Laura Palmer. Donc on nous apprend qui est ce personnage à travers donc une autre plateforme médiatique. Donc là, on est bien dans du transmédia, puisque autre plateforme et rajout narratif. Pour aux frontières du réel, c'est que des exemples, bien évidemment, je pourrais en citer d'autres. Mais pour aux frontières du réel, c'est pareil, donc vous aviez les 9 saisons, et entrecoupées pendant les hiatus, c'est-à-dire pendant les pauses entre les saisons, ils ont proposé 3 films donc, qui continuaient aussi la narration. Donc là, c'est pareil, autre plateforme, et continuité narrative et rajout narratif. Alors là, c'est pareil, hein, si vous vouliez regarder que la série, c'était aussi possible, hein, on comprenait. Mais si vous alliez sur l'autre plateforme, vous aviez une récompense en quelque sorte narrative qui vous expliquait certains points ou qui vous donnait des informations sur les personnages. Alors concernant les mutations, elles sont principalement autour de 3, donc ces mutations qui ont amené ou démocratisé le transmédia, elles sont principalement autour de, au nombre de 3, c'est des mutations technologiques bien sûr, des mutations narratives et des mutations participatives. Alors, je vais les développer un peu. Donc, c'est évident, mais, et c'est de ça qu'on va parler principalement aujourd'hui, hein, je pense, c'est les mutations technologiques, c'est bien entendu l'intégration des nouvelles technologies, d'une part dans les stratégies de production, donc de plus en plus le cinéma et la télévision intègrent les nouvelles technologies dans leur stratégie, mais aussi dans les pratiques de réception, bien entendu. Donc pour les stratégies de production, exemple, NBC, donc qui est une grosse chaîne américaine, a créé ce qu'ils appellent le NBC 360, qui est une plateforme interactive et sur laquelle ils proposent des ajouts narratifs pour toutes leurs séries. Donc que ce soit des dramas ou des dramas comme Heroes, par exemple, bon ça a terminé mais ils le faisaient, des sitcoms comme Parks and Recreation, mais à chaque fois ils proposent sur cette NBC 360 des ajouts narratifs et plus ou moins interactifs quand même pour provoquer la participation et l'intérêt du public. Donc on est bien dans des mutations technologiques avec l'apparition d'Internet et des pratiques interactives. Des mutations narratives aussi, puisqu'on se rend compte qu'autour de la télévision, mais aussi du cinéma, hein, on a ce qu'on appelle le développement de la narration complexe, et une plus grande sérialité qui s'instaure. Alors, exemple avec le cinéma, c'est particulièrement flagrant avec la multiplication des franchises. Donc on a de plus en plus de franchises, de plus en plus de sagas, particulièrement autour des gros blockbusters et du cinéma de super-héros, si on veut mettre un nom sur le genre. Donc cette franchise, ça va amener de la sérialité, de la continuité narrative, qui va permettre le développement, bien entendu, de stratégies de transmédia, puisque le but, c'est de rajouter encore de la narration. En plus, ce qui est intéressant avec les franchises, c'est qu'il y a un potentiel économique derrière aussi, puisqu'il y a une solide base de fans qui va faire vivre la franchise et la stratégie transmédia aussi derrière. Et pour les séries télé, c'est pareil, on a de plus en plus de continuité narrative aussi, que ce soit pour les séries, si je me base sur les séries américaines, pour les séries de network ou du câble. Je m'explique, de plus en plus, tous les épisodes de séries se terminent par ce qu'on appelle des cliffhangers, donc c'est des mises en suspense de la narration, qui vont pousser les téléspectateurs à aller voir l'épisode la semaine suivante. Donc là, on a bien une continuité narrative qui se met en place. Et on a aussi, mais c'est le principe de la série, hein, des personnages récurrents sur lesquels, du coup, on peut s'appuyer pour étendre la narration et pour donner des informations supplémentaires. Donc ça, c'est une mutation aussi, puisque ce n'était pas le cas avant. Avant, vous aviez des séries qu'on appelle épisodiques, c'est-à-dire avec des épisodes fermés sur eux-mêmes. Exemple, Columbo. Donc Columbo, vous aviez ce qu'on appelle un case of the week, donc une enquête par semaine, mais on ne savait absolument rien de Columbo, si ce n'est qu'il avait un impère, une femme qu'on ne voyait jamais et un chien. Donc c'est relativement peu pour construire après une narration. Donc là, de plus en plus, on a une continuité narrative. Et bien évidemment, des mutations participatives, mais ça c'est en lien avec la stratégie de production, hein, bien sûr aussi. Mais de plus en plus, les téléspectateurs, les spectateurs,
et surtout les fans vont vouloir s'immerger dans cette narration, vont vouloir s'engager dans la narration et se balader sur les plateformes pour aller chercher de l'information. S'immerger dans la narration, ça veut dire aller chercher aussi des informations. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent en place ce qu'on appelle, enfin, ce que Pierre Lévy surtout a appelé l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble, collaborativement, pour aller chercher ces informations. Et en général, ils créent des wikis pour partager les informations sur l'univers narratif. Et ils vont aussi faire circuler à travers les réseaux sociaux, à travers les forums, à travers leurs blogs, en fait, tout ce que vous voulez, hein, ils vont faire circuler aussi le contenu narratif. Alors, le contenu narratif officiel de la production et leur propre contenu narratif transmédia aussi, comme des fanfictions ou quoi. Mais il y a un phénomène de circulation qui va aider à faire vivre l'univers sériel ou l'univers narratif en général qui a été créé. Alors, il y a différentes formes de transmédia. Il y en a principalement deux. C'est ce qu'on appelle le transmédia West Coast et le transmédia East Coast. Alors, le transmédia West Coast, c'est le transmédia hollywoodien. En fait, c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui parce que le plus viable économiquement, on va dire. Comme à Hollywood, on est quand même dans un système commercial. Hein, faut pas se voiler la face. Hein. Donc, le transmédia West Coast, c'est celui qui va justement s'appuyer sur le phénomène des franchises. C'est-à-dire qu'il va partir d'un contenu fort, donc un film ou une série télé, et qui va ensuite éclater la narration sur plusieurs plateformes. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a le contenu fort et on a la base de fans qui est déjà là, qui va faire vivre ensuite. Le transmédia, bon, bien évidemment, ce transmédia West Coast s'oppose au transmédia East Coast, qui est plutôt le transmédia de la côte Est, donc le transmédia de New York. Et là, c'est plutôt un transmédia natif, dans lequel la structure transmédia est pensée dès le début. Donc, il n'y a pas un contenu central fort. Là, c'est vraiment du transmédia natif, global, qui est pensé dès le début. Donc, c'est un peu plus dur, bien évidemment, de faire la promotion et de faire vivre ce transmédia, puisqu'il n'y a pas de contenu fort et il n'y a pas de fans au départ qui vont faire la promotion eux-mêmes du contenu. Donc, il y a ces deux formes de transmédia qui existent pour le moment. Alors, le transmédia aussi, se sert de ce qu'on appelle le principe de la licorne origami, de ce que Henry Jenkins a appelé le principe de la licorne origami. Alors, c'est une référence à Blade Runner, au film de science-fiction Blade Runner, je ne sais pas si vous connaissez. Mais dans la version Director's Cut, donc dans la version qui n'était pas montrée dans les cinémas, on a cette licorne origami qui apparaît, et qui nous fait douter sur l'identité de Descartes, et on se demande si c'est un réplicant ou s'il est vraiment un humain. Donc là, c'est ce qu'on appelle le principe de la licorne origami. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cette licorne origami, pour le transmédia? C'est que ça va constituer une sorte de modèle, un patron, et ça va surtout nous expliquer quand il faut utiliser et comment il faut utiliser la stratégie transmédia. Parce que quand on créer des stratégies transmédia, il faut aussi créer une timeline, c'est-à-dire savoir quand est-ce que c'est le plus judicieux de lancer la plateforme que vous voulez, et surtout quel rajout narratif ça va provoquer par rapport au monde. Donc ça, la licorne origami, ça veut dire qu'on a un patron, qu'on a un modèle, et qu'il va falloir jouer avec des enjeux donc temporels, des enjeux technologiques et des enjeux narratifs, bien sûr, pour la stratégie transmédia. Donc il faut bien songer à tout, à quelle plateforme va être le mieux, le plus judicieux, le plus efficace, pour quel public, et qu'est-ce que ça rajoute par rapport à la narration. Donc ça, on appelle le principe de la licorne origami. Alors je vais vous montrer... Ah non, pardon, il faut que... C'est pas sur mon ordinateur que ça... je vais vous montrer comment ça fonctionne, donc avec des gros exemples, hein, mais c'est des mécanismes qu'on peut reprendre ensuite après. Donc, le transmédia, et particulièrement le transmédia West Coast, est utilisé à des fins surtout marketing. Donc, il faut bien comprendre, même si on a du rajout narratif, hein, puisque c'est le but du transmédia, c'est quand même à destination commerciale et pour faire la promotion d'œuvres. Donc, les deux meilleurs exemples, c'est True Blood, la stratégie qui a été mise en place autour de True Blood, la série, ou de Tron Legacy pour le cinéma. Donc, je vous explique, hein.
qu'ils ont mis en place là pour True Blood et Tron Legacy, c'est ce qu'on appelle des jeux en réalité alternée, donc des alternate reality games. Ça participe de la stratégie transmédia aussi, hein. C'est pareil. Hein. Donc les jeux en réalité alternée, c'est des jeux, donc il y a une expérience immersive ludique, hein, qui va utiliser le numérique, mais aussi le monde réel, comme terrain de jeu. C'est-à-dire, par exemple, si on avait créé ici un ARG pour la journée, là, cette salle pourrait servir de lieu, en fait, pour disséminer des indices. Donc, avec les ARG, on est à la jointure de l'histoire, puisqu'on doit raconter une histoire. On est toujours dans un phénomène de storytelling, hein, donc il y a une histoire. Du gameplay, on est dans du ludique, et de la communauté, parce que les joueurs ne peuvent pas jouer seuls à ces jeux en réalité alternée. Il faut absolument qu'ils soient plusieurs, et c'est ça qui est intéressant du coup pour les franchises, c'est que là aussi on va créer une base solide de joueurs et de fans. Donc ils avaient mis ça en place autour de True Blood et de Tron Legacy. Alors pour True Blood, c'était pour faire la promotion de la saison 1 de la série de HBO, donc. Alors, il s'appuyait sur les livres, hein, puisque True Blood est une adaptation de livres. Hein. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient postulé que les vampires étaient déjà parmi nous, tout comme dans la série. Hein. Donc, les vampires se baladent parmi nous. Et pour ça, ils avaient fait deux camps, entre guillemets. Ils avaient créé les camps des pro-vampires et les camps des anti-vampires. Et pour chaque camp, ils avaient créé donc multitude de blogs, de sites internet, même de sites de rencontres pour vampires, qui faisaient donc que ce monde, finalement, de True Blood pouvait être totalement réel. Donc, ils brouillaient la frontière entre la réalité et la fiction en créant donc tout cet univers. Donc là, c'est des exemples de ce qu'on pouvait trouver comme site internet. En plus, ils avaient aussi recréer le True Blood, donc, qui est la boisson qui permet aux vampires de vivre parmi nous. Donc on peut l'acheter. Alors je l'ai goûté, c'est absolument infâme. Hein. C'est pas du tout bon. Hein. Je ne vous conseille pas de le boire. Hein. C'est pas du sang non plus. Hein. C'est de l'orange sanguine, mais c'est vraiment pas bon du tout. Et donc il l'a commercialisé. Ils en faisaient la publicité dans les villes, hein, dans les magazines, dans les journaux, en fait, tout ce que vous voulez. Exactement pour, là aussi, pour brouiller la frontière entre la réalité et la fiction. Et en plus, il crée des vrais faux débats entre les pro-vampires et les anti-vampires, personnages que l'on retrouvait ensuite dans la série, hein, mais il est diffusé sur les chaînes télévisuelles américaines. Donc ça faisait encore plus réel, entre guillemets, et du coup on pouvait encore plus s'immerger dans le monde de True Blood. Donc ça a été assez populaire, hein, comme stratégie, puisque là on avait tout ce qu'il fallait comme élément pour déployer donc du rajout narratif, puisqu'on montrait quel était l'univers de True Blood, et on montrait aussi les personnages, ils intervenaient dans sur différentes plateformes. Hein. On montrait le lieu aussi, bon, donc la ville de Bontemps, pour expliquer où allait se passer True Blood. On avait une stratégie numérique et une stratégie réelle, dans la vraie vie, pour brouiller un peu, et deux factions, donc on pouvait choisir donc les pro-vampires ou anti-vampires, et on pouvait choisir son camp, entre guillemets, et du coup on avait des informations sur les deux camps. Alors j'ai pas mis, mais pour Tron Legacy, parce que je voulais vous montrer une vidéo, mais en fait je vais pas avoir le temps, pour Tron Legacy c'était exactement pareil, le but du jeu de Tron Legacy, de la stratégie ARG autour de Tron Legacy, il y en avait deux. C'était de raviver l'intérêt pour la franchise, puisqu'il y avait eu un Tron en 1982, donc c'était pour relancer l'univers Tron, et pour attirer bien évidemment un nouveau public, et plus particulièrement un public de gamers, puisque l'univers de Tron, c'est l'univers des jeux vidéo. Donc ils avaient mis en place aussi une stratégie de jeu en réalité alternée qui a duré 6 mois, donc c'est une grosse timeline quand même, hein, 6 mois. Ils avaient commencé à Comic-Con, donc Comic-Con c'est le plus grand rassemblement de fans de science-fiction, de fans de comics, de fans d'univers un peu de science-fiction. Et là, ils avaient recréé en fait l'arcade de Fill-In. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le film, hein, mais c'est des jeux d'arcade. Et à partir de ce moment-là, c'était le Rabbit Hole, les joueurs étaient aspirés en fait dans l'ARG. Donc il y avait des indices dans cette arcade et après ils devaient se balader comme ça de plateforme en plateforme pour avancer ensemble dans le jeu et découvrir, donc le but c'était de faire découvrir le nouveau personnage qu'on allait voir dans Tron Legacy, qui est le fils de Kevin Flynn, Sam.
Donc là, on a un ajout narratif aussi, puisqu'on présente le nouveau personnage qu'on va trouver dans le film. Alors, si vous voulez, j'en parle pas là, mais vous pouvez aller voir sur YouTube, parce qu'il y a une case study, donc ils expliquent l'ARG, mais le mieux, c'est quand même Why So Serious, autour de The Dark Knight, de Christopher Nolan, donc du Batman. C'est assez intéressant de voir comment ils ont mis en place tout le processus, et ça a duré un an, là. Donc là, du coup, il faut alimenter. Donc ça, c'est pour du marketing. Donc on se rend compte qu'ils utilisent beaucoup les stratégies de transmedia storytelling, beaucoup les ARG, beaucoup l'immersion et la narration pour promouvoir des produits culturels, donc des films ou des séries. Et ensuite, on a ce qu'on appelle, ce que j'appelle en l'occurrence, le principe de narration augmentée. Et c'est là où on va vraiment s'appuyer sur un contenu central fort. C'est ce qu'ils font beaucoup autour des séries télé. Donc, exemple autour de Fringe. Donc, ils ont beaucoup développé le transmédia autour de la série Fringe. Donc, c'est J.J. Abrams, et en général, il fait beaucoup il est assez connu pour proposer des stratégies de transmédia, puisque déjà autour de Lost, il y en avait une multitude pour augmenter la narration et surtout pour nous donner des indices pour comprendre, si tant est que là aussi pour Lost, on puisse comprendre quelque chose. Mais bon. Donc pour Fringe, il se concentrait sur les personnages, puisque c'est une série de science-fiction, mais ce qui est au cœur de la narration, c'est vraiment les relations entre les personnages. Donc comment on crée une famille et quelles sont les relations entre les personnages. Donc toute leur stratégie transmédia, pour être cohérente, elle augmentait aussi ce principe narratif. Donc ils avaient créé des comics qui proposaient entre les hiatus, donc entre les saisons 1 et 2, entre les saisons 2 et 3, et ainsi de suite, Et donc par paquet, le premier paquet de comics expliquait comment se sont rencontrés les deux scientifiques de la série. Parce qu'on sait que les deux scientifiques qui sont au cœur de la série travaillent ensemble, mais on ne sait pas comment ils se sont rencontrés. On sait qu'ils ont travaillé ensemble dans la jeunesse, mais ces comics permettent de savoir ce qu'ils ont fait exactement, comment ils se sont rencontrés et comment ils ont créé leur société. Ce qui n'est pas du tout dit dans la série. Donc on a vraiment un rajout narratif. La deuxième série de comics, elle se concentrait par exemple sur les personnages secondaires. Parce que même si on est dans une série et qu'on a beaucoup, beaucoup d'heures pour expliquer une narration, on ne va pas forcément s'attarder sur les personnages secondaires. Donc la deuxième série de comics, elle présentait 6 personnages secondaires en présentant leur passé, leur background, leur motivation. Donc c'est assez intéressant aussi pour comprendre ce qu'ils font dans la série. Deuxième stratégie, le site internet. Ça, c'est ultra classique, de créer un site internet, bien évidemment, qui a un rapport avec ce qui se passe dans la série. Donc là, ils avaient créé le site internet de Massive Dynamics, qui est la société au cœur de la série. Alors, ce qui est intéressant avec cette stratégie-là, spécifique, c'est que quand on allait sur le site, d'ailleurs, vous pouvez toujours y aller, il est toujours en ligne, quand on va sur le site de Massive Dynamics, il est présenté finalement comme un vrai site corporate. Il n'y a aucun élément qui nous dit, enfin à première vue, il n'y a aucun élément qui nous dit qu'on est dans l'univers de Fringe. Donc c'est vraiment pour ceux qui connaissent vraiment, pour les fans hardcore qui vont s'en rendre compte. Donc c'est pour, là aussi, brouiller la frontière entre réalité et fiction, bien sûr. Ce qui nous dit qu'on est dans l'univers de Fringe, c'est quand on va dans l'onglet staff, on se rend compte que le CEO et le chief operator sont les deux personnages de la série, en fait. Et c'est un site interactif, entre guillemets, parce qu'il y a des emplois qui sont postés et un onglet contact ou je ne sais pas quoi. Et quand on les contacte ou qu'on envoie son CV, ils nous répondent. Donc je l'ai fait pour tester, pour la recherche bien sûr. Et effectivement, ils répondent et donc il y a un dialogue qui s'instaure avec soi-disant Massive Dynamics. Pour renforcer l'effet réel, ils avaient aussi créé des fausses pubs de Massive Dynamics que Fox, donc c'est Fox, c'est la chaîne qui diffusait Fringe, que Fox diffusait, mais pendant d'autres séries. Donc ils diffusaient ça pendant House MD, par exemple, ou Bones, et ça renforçait aussi l'effet de réel de la compagnie, en fait. Ensuite, ils avaient créé le Violet Sedentiaire, là, la troisième stratégie. Dans la série, Walter Bishop est fan d'un groupe de musique fictif, qui n'existe pas, qui s'appelle Violet Sedentiaire. Mais en fait, les producteurs, J.J. Abrams, ont décidé de concrétiser, si je puis dire, Violet Sedentiaire et de créer 200 vinyles du faux groupe. Alors ce faux groupe, il a une page web, il a un Twitter, enfin, là aussi pour le rendre réel dans notre quotidien.
Mais ce qui est intéressant, c'est que donc J.J. Abrams avait fait un entretien dans Wired, qui est un grand magazine de nouvelles technologies, hein, où il expliquait ses goûts musicaux. Il disait « Ah ben tiens, justement, j'ai découvert Violet Sedentia il n'y a pas longtemps, leur vinyle est génial, voilà. » Mais il disait en aucun cas que c'était lié à Fringe ou quoi. Hein. Il disait juste qu'il était fan aussi de la musique. Donc là, ça devait attirer l'intérêt des fans. Et il s'avère qu'ils avaient disséminé 200 vinyles en fait, dans plusieurs magasins, chez plusieurs disquaires américains. Alors ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est que les paroles des chansons de Violet Sedentia expliquent des intrigues de la série. Donc il faut être bien sûr fan de la série pour comprendre, mais ceux qui ont récupéré les vinyles ont posté bien évidemment les paroles des chansons sur les forums pour faire partager aussi cette stratégie à d'autres fans. Et il y a aussi ils ont découvert aussi les fans une chanson cachée dont le titre est un anagramme pour la phrase Olivia is the key, et voilà, qui explique aussi une des intrigues de Fringe. Donc on est bien aussi dans du rajout narratif là, ou dans de l'explication narrative. Autre stratégie, donc c'est des vidéos Deep in the Labs dans lesquelles Walter Bishop propose des cas fringe qu'on ne voit pas dans la série, mais on se doute qu'ils ont d'autres cas fringe qui vivent en dehors ces personnages vivent en dehors des épisodes de la série. Et il nous propose ces techniques donc, du coup, d'autopsie de cas un peu paranormaux. Et là récemment, mais je ne l'ai pas rajouté, est sorti un notebook, donc un cahier, d'un des personnages de la série qui s'appelle September, donc qui est un observateur, et qui explique donc tout le plan qui avait été mis ensemble en place pour la série. Donc c'est assez intéressant parce qu'on là avec cette stratégie, on peut comprendre toutes les missions qui ont été performées en fait par les personnages et comment tout s'emboîte en fait dans la narration. C'est assez intéressant. Donc voilà, j'ai fini ma présentation, mais vous voyez, ouais, je suis vraiment fan de Battlestar Galactica en fait. Là aussi, vous voyez comment on peut mettre en place donc du coup des stratégies transmédia. Donc le but, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut utiliser d'autres plateformes médiatiques. C'est quand même ça l'objectif. Donc qu'elles soient numériques ou non, ça on a compris. Et il faut rajouter de la narration. Donc soit des indices, soit des backgrounds sur des personnages pour leur donner un peu plus d'épaisseur, soit soit des indices, oui, en fait, c'est ça. Mais il faut aussi favoriser l'immersion des téléspectateurs ou des spectateurs. Il faut aussi favoriser leur participation. Il faut qu'ils aillent chercher eux-mêmes l'information. Il faut qu'ils mettent en place un processus intellectuel pour aller chercher les informations aussi. Il ne faut pas leur mâcher tout le travail, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne le transmedia storytelling et comment ces mécanismes peuvent se mettre en place autour de séries télé ou de films. Alors encore une fois, vous pouvez bien évidemment adapter ces mécanismes et ces stratégies à de la promotion pour votre ville par exemple, ou ce que vous voulez, hein, mais, ou pour une exposition de musée, ça peut totalement être... En ce moment, mes étudiants travaillent sur la promotion d'une expo au Quai Branly à Paris par des stratégies transmédia et un ARG. Donc c'est totalement possible de faire avec autre chose que des gros blockbusters et des séries télé. Voilà à peu près comment ça marche. Merci. Jarraian, galderak egiteko aukera izango duzue. Altxa eskua eta mikrofonoa helaraziko dizuegu. Kaixo egunon, galdera bat egin nahi nizun, bueno, gero estopa. Hola, maybe I need my... Okay. Kaixo. Bueno, galdera da, eskatu nahi nizun apurtxo bat gehiago sakontzea, West Coast eta East Coast kontzeptu hoien atzetik ze ulertzen duzun. Ez dakit kasu batian dan azpimarratu egiten dela kontatzeko dagoena, eta aldiz bestean
abia puntuan dagoela medioen estrategia oso bat eta gero aplikatu mediora edo bueno, gustatuko litzaidake hori West Coast East Coast kontzeptu hoien atzetik zer dagoen adibide batzuk edo eta gero bestea aipatu duzuen amaieran aipatu duzuen begaldi erakusketa horren inguruan aber zertan ari zareten gustatuko litzaidake gehiago jakitea. Eskerrik asko. Alors, je vais répondre en français aussi, hein, désolé. Donc, pour les stratégies, la différence entre les stratégies West Coast et les stratégies East Coast, donc c'est que la stratégie West Coast, c'est vraiment une stratégie hollywoodienne, marketing, commerciale. C'est-à-dire qu'on va se baser vraiment sur un contenu fort, donc sur un film, sur une série télé la plupart du temps. Donc, il y a déjà la narration qui est là, il y a déjà les personnages qui sont là, il y a déjà une base assez solide de fans qui est là, et à partir de ce contenu, on va éclater la narration, on va augmenter la narration sur différentes plateformes médiatiques. Donc par exemple, pour l'exemple que je vous donnais de Fringe, c'est typiquement du transmédia West Coast, puisqu'on avait la série, et à partir du moment où la série a eu un peu de succès, donc on était sûr qu'elle était viable économiquement, et bien on a proposé de la narration augmentée, on a proposé d'augmenter cette narration sur les personnages, sur l'intrigue, sur différentes plateformes médiatiques. Donc là, c'est vraiment à partir de la franchise qu'on va travailler. Alors que le transmédia East Coast, c'est ce qu'on appelle du transmédia natif, c'est-à-dire qu'on va créer un univers transmédia, un monde transmédia de rien, en fait. Exemple, je ne sais pas si vous connaissez Lance Wheeler. Non ? Et c'est un producteur audiovisuel qui propose des stratégies transmédia, en fait, East Coast native. Donc, il avait créé une expérience qui s'appelait Head Trauma. Et cette expérience Head Trauma était une expérience immersive pour les spectateurs, puisque c'était parmi les stratégies, donc c'était quelque chose de global. Hein. Il n'y avait pas un média qui ressortait parmi d'autres. Hein. Donc, parmi les stratégies, il y avait un film. Mais ce film ne pouvait marcher qu'avec les autres stratégies. C'est-à-dire que lorsque les spectateurs se rendaient dans les différentes salles, ils étaient accueillis par un prêtre, donc c'est en rapport avec ce qui se passait, bien sûr, avec la narration complète. Ils étaient accueillis par un prêtre devant les salles qui leur donnait un comic books. Devant les salles de cinéma sonnaient des téléphones dans des cabines, et si on répondait, on avait le personnage du film qui expliquait la narration, ou du moins une partie de l'intrigue, avant d'aller voir le film. Si on n'avait pas eu ce personnage au téléphone, on ne pouvait pas comprendre trop ce qui s'était passé dans le film. Et quand on sortait de la séance, on recevait des SMS, parce qu'il fallait s'inscrire sur un site internet, on recevait des SMS ou des mails qui continuaient la narration. Donc là, on a bien une structure globale transmédia, alors que sur le West Coast, on n'a pas ces liens qui se font pour comprendre la narration en général. Donc c'est East Coast, c'est vraiment global. Alors c'est beaucoup plus dur à mettre en place, et c'est surtout beaucoup plus dur à mettre en place économiquement. Parce que vous n'avez pas un contenu fort, vous n'avez pas, vous n'avez pas l'assurance qu'il y a un public derrière et qui va aller voir les stratégies. En général, du coup, vous connaissez le crowdfunding, les Kickstarter et tout ça. En général, pour créer ce genre de stratégie, ils font appel, du coup, ils expliquent ce que ça va être un peu la narration à travers ces Kickstarter et ce crowdfunding, du coup. Parce que c'est dur d'aller chercher de l'argent. Ensuite, vous me demandez pour l'ARG, pour le Quai Branly. Alors, le Quai Branly, donc, c'est le musée des arts primitifs à Paris. Ils nous ont demandé, parce que j'interviens principalement dans un master multimédia à l'Université de Bordeaux 3, et ils nous ont demandé de leur créer une stratégie transmédia, et particulièrement un ARG, autour de leur prochaine exposition qui aura pour thème le tatouage. Mais alors, c'est un peu confidentiel, je n'ai pas trop le droit d'en parler, en fait. Donc, c'est leur prochaine expo qui aura lieu fin 2014, donc ils ne veulent pas trop que... Mais on doit leur constituer une stratégie qui permettra donc de faire... le but, c'est de faire venir les publics un peu plus jeunes dans leur musée. Donc, comme c'est des publics jeunes, on va essayer d'utiliser du coup les réseaux sociaux, Internet, enfin, toutes ces stratégies-là pour construire une narration, pour les immerger dans une narration en lien avec l'exposition et essayer de les faire venir à l'exposition, surtout. Donc, il faudra disséminer des indices là-bas pour continuer le jeu.
Mais là, je peux pas trop vous en dire un peu plus, mais c'est un peu ça le principe. Melanie, nola uste duzu lagundu alduela transmedia gaur egungo komunikabideen krisiari? Hau da, nahikoa finantziazio lortu ezin duen egunkari bati, adibidez, aldizkari bati, non salmentak jaisten ari diren. Esan alda transmediak lagundu alduela horretan, hau da, interneten nolabaiteko mugimendu bat eratzen eta hortik etekin gehiago lortzen gaur egun paperean lortu daitekena baino. Alors, comment peut aider le transmédia, comment le transmédia peut aider la crise audiovisuelle? Ça, c'est une question un peu compliquée. Alors, le transmédia, ça permet aussi de créer des points d'entrée différents pour les publics. C'est-à-dire que si on crée un jeu vidéo, les fans de jeux vidéo vont peut-être tomber sur celui qui est la stratégie transmédia liée à une série télé, et du coup aller après sur la série télé. Parce que pour l'audiovisuel, le but du jeu des séries télé, c'est d'avoir de l'audience, pour ne pas être annulé et pour continuer à être diffusé. Et le but des films, c'est d'avoir aussi des spectateurs dans les salles pour être rentable pour la société de production. Donc les stratégies transmédia, elles doivent aider à ramener en quelque sorte le public vers le film ou vers la série télé. Donc ça peut effectivement être une stratégie assez viable pour ça, puisque ça va créer des points d'entrée différents dans la franchise. Ça peut être ça. Alors pour le journalisme, c'était la suite de la question. Pour le journalisme, là on sait que malheureusement le journalisme papier est en crise. Hein. Les gens achètent de moins en moins les journaux, puisque la plupart des journaux ont des sites internet, donc les gens vont aller chercher l'information sur ces sites internet. Là, les stratégies transmédia peuvent permettre d'enrichir l'information, justement. Donc, ça peut être intéressant. Étant donné que les lecteurs usagers ont des nouvelles pratiques, donc ils sont habitués à voir de la vidéo, ils sont habitués à participer sur les réseaux sociaux, à discuter, à donner leur avis, puisqu'il y a de plus en plus de blogs qui sont créés, hein, de blogs informatifs. D'ailleurs, on appelle ça la crise de l'auteur, la crise du journalisme, du coup. Du journaliste, le transmédia, là, ça peut enrichir l'information et donner un peu plus de visuel, d'audio, enfin d'enrichissement technologique aussi autour de l'information. Donc ça me paraît assez nécessaire de faire ce genre de choses pour le journalisme. Mais là, je ne peux pas vous dire si ça va sauver l'industrie journalistique de la crise, tout comme je ne peux pas dire non plus si ça va d'ailleurs sauver l'audiovisuel de la crise complètement. Mais si on prend l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, là, de Why So Serious autour de The Dark Knight, il s'avère que suite à cet ARG, The Dark Knight de Nolan a été le troisième plus gros score en nombre de spectateurs de l'année 2000, c'était en quoi, 2008. Donc ça peut aider quand même à faire connaître un univers et une narration, en quelque sorte. Jo. Transmedia proiektu batean profesional mota asko lan egiten dute, oso multidisziplinarra da, ez? Ez dakidakizun, baina estatu batuetan produktore transmedia figura edo sortu zuten, dute.
Zei ditzia kasu honi buruz? Uste duzu West Coast motako transmedia produzioen behar bat bakarrik dela edo erreala dela, hau da, figura hori beharrezkoa dela? Alors, est-ce que c'est nécessaire de faire ces stratégies transmédia? En réalité, c'est de plus en plus nécessaire parce qu'ils le font tous. Donc, c'est en fait effet boule de neige, quoi. Comme ils le font tous, forcément, autour des franchises et autour des blockbusters. Après, les films indépendants, c'est différent, ils le font moins. Mais pour les séries télé, c'est exactement pareil. Toutes les séries télé ont forcément une stratégie transmédia qui vont mettre en place. Donc, c'est compliqué de pas suivre le mouvement, du coup. Et ouais, c'est ça, c'est effet boule de neige. Donc c'est moi, je m'amuse à regarder. Bon, enfin, je m'amuse, c'est aussi mon métier, hein, c'est mon domaine de recherche. Donc, dès qu'il y a une nouvelle série télé qui sort ou dès qu'il y a un gros blockbuster qui est annoncé, j'essaye de regarder quelle stratégie a été mise en place en amont, justement pour faire la promotion. Donc là, il y a par exemple Carrie qui va sortir, le prochain l'adaptation de Carrie de Palma. Hein. Et ils ont fait toute une stratégie déjà transmédia dans laquelle on peut visiter la maison de Carrie, donc on nous plonge déjà dans l'univers, dans laquelle ils diffusent des vidéos virales, bon j'aime pas ce mot viral mais c'est ça, hein, qui montrent des jeunes filles qui pratiquent la télékinésie dans des bars ou des cafés. Donc ils commencent à déjà plonger dans l'univers. Et si vous regardez tous les blockbusters, en fait, ils ont tous des stratégies. Pour les séries télé, c'est exactement pareil. Donc ça va de la stratégie la plus basique, c'est-à-dire créer des comptes Twitter pour les personnages ou des comptes Facebook pour les personnages. Et bien évidemment, si on met en place cette stratégie, il faut que ces comptes Twitter soient interactifs et fonctionnent, dialogue avec les fans. Hein. Moi, j'avais testé, je ne sais pas si vous connaissez, Big Bang Theory. Donc j'avais discuté avec le personnage de Sheldon sur Battlestar Galactica, puisqu'il est censé être fan et je suis fan aussi. J'ai fait ma thèse là-dessus, donc je connais assez. Et le community manager était super fort, parce qu'il était hyper calé en Battlestar Galactica. Mais du coup, il faut qu'il y ait cette interactivité qui se crée. Donc ça peut aller de cette stratégie basique jusqu'à des ARG comme True Blood, où là on est vraiment dans l'immersion totale, ou comme Fringe, où on rajoute des bouts de narration. Mais amusez-vous à regarder si vous êtes fan de séries télé ou si vous en connaissez, mais amusez-vous à regarder, vous verrez que toutes elles ont au moins une stratégie, plus ou moins immersive, plus ou moins... non, ça c'est sûr qu'elle rajoute de la narration, mais elle sera plus ou moins immersive. Donc c'est obligé de suivre, en fait. Hein. C'est la série télé qui n'en met pas, du coup, elle va être moins... Déjà, elle va avoir plus de difficultés à attirer un autre public et elle sera moins viable. Donc, en fait, tout est histoire de processus économique et de marketing. Plus de questions ? Okay. Ben, je vous remercie beaucoup.